Salam alaikum. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le nom d'Allah qui est Al-Awwal, un des noms d'Allah qui signifie le premier. Enfin, si ce nom souligne la primauté absolue qu'il a, donc le commencement, il est le commencement de toute chose sans commencement pour lui-même. Donc, il n'y a pas de commencement pour lui-même. Donc, il a. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de création. Créateur d'Allah, en fait. Allah est Allah, quoi. Voilà. Ainsi soit-il. Ensuite, ce nom met en lumière l'attribut divin de l'origine, démontrant que Allah est au commencement de toute création, qu'il précède tout et qu'il n'y a pas été précédé par quoi que ce soit. Ensuite, référence dans le Coran. Donc, ce nom est mentionné dans le verset 3 de la sourate Al-Hadid. Donc, c'est le verset, je crois que c'est le verset sourate 50 et quelques, hein, 56, 57. Alors, le verset dit, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, il est l'omniscient. Donc là, le dernier, ça va être un des autres noms d'Allah qu'on va aborder juste après en plus. Juste après, c'est le nom d'Allah qui est le dernier, Al-Akhir. Alors, il est au commencement de toute création qu'il précède. Et voilà. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, ce verset souligne aussi la dualité. Donc, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Voilà. Al-Awwal souligne que tout commence par Allah et que rien ne précède son existence et tout ce qui existe tire son origine de lui. Cet attribut renforce la compréhension de la puissance de la création divine, illustrant qu'Allah est le commencement absolu de toute chose. Donc c'est Allah qui a créé même tout, hein, même Shaitan, les Shayatin, etc. C'est Allah qui leur a permis d'être créés. Alors, il les a créés, il leur permet toujours d'être créés, d'exister. Hein. S'il n'y a pas eux, il n'y a pas. Ils sont pas là. Hein. D'accord? Ensuite, reconnaître Allah comme El-Awwal. El-Awwal, désolé pour la prononciation, peut inspirer une profonde réflexion sur l'origine de toute existence. Cela encourage également à reconnaître la dépendance de toute création vis-à-vis de lui. Ainsi, expliquer El-Awwal peut impliquer d'inviter à méditer sur la grandeur de Dieu en tant que commencement de toute chose. Cela peut également encourager à embrasser la soumission et la confiance en Allah en tant que celui qui a initié toute création. D'accord? C'est lui qui a tout créé. Voilà. Allah.